dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un challenge et je suis en compagnie de Anna Dream Beauty. Je sais pas comment tu le dis à l'anglaise ou... Ouais, ok. Et donc on va vous faire un petit challenge. En fait, voilà, on s'est connus grâce à YouTube en fait et on s'est dit qu'on allait faire un petit challenge ensemble. Donc on va faire le challenge maquillage à l'aveugle. Dans cette vidéo, je vais la maquiller et puis je vous mettrai en barre d'infos et ici quelque part sa vidéo pour que vous puissiez aussi aller voir la vidéo où elle me maquille. Donc je pense que ça va être chouette. Voilà. Ça va se remettre un carnage, mais bon. Donc on a le petit bandeau. Je vais mettre le bandeau et la maquiller et on va voir qui va réussir le challenge ou pas. À mon avis, ce sera ou pas. À mon avis, on va pas ressembler à grand chose, mais bon, on va essayer. J'espère que je vais pas te crever un œil. Hop. Non, je pense que ça va. Fais des gaffes, ferme l'œil. Ok. Donc, je vais te faire le teint. Et franchement, c'est bizarre. Ah bah ouais. Dans le noir. Je me dis, ça va, je vais reconnaître mes trucs, mais en fait, non. Je les ai mis au moins, mes pinceaux là. Il n'y a plus de pinceaux ici? Non. J'avais un pinceau au teint, mais attends. Si c'est ça. Bon, que ça fera l'affaire. Je vais mettre là. Tu es dans le fond. Hop. Je sens même pas si ça sort en fait. Ah, ça sort. Ah, ça y est. Il est dur à sortir celui-là. J'ai passé plus de temps à préparer les trucs. C'est impressionnant. Tu le dis si je te fais mal, hein, parce que... Ça remise ta fille. On a moins une que ça fera rire. Je sais même pas si j'en ai assez. J'ai plus aucune notion, c'est dingue. Écoute, je pense que ça devrait, bien, ça devrait aller au niveau teint. Ah, on n'a pas fait pour la cerne, c'est rien, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, je vais te mettre un peu de bronzer. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est les highlights, ça, je suis sûre. C'est ma boule d'oreille qui tombe. Oh, pardon. C'est pas grave. Tu vas maquiller l'oreille. Ah.
fait carnage, je le sens déjà. Attends. Un peu de blush. J'espère que je vais pas. Oh là là. Au pire, sur la belle couleur. Ouais. Un highlighter. Ok. Bon, je pense que le teint va être magnifique. Extra. Je sais même pas comment ce que je vais faire pour reconnaître celui que je te mets en fait. Enfin, je vais essayer de mettre mon doigt pour essayer de reprendre le même. C'est là qu'il n'y a rien dessus. Je vais essayer de ne pas te. Je sens rien, c'est fou ça. J'ai l'impression que je mets rien. Je vais prendre une par là. T'es où? C'est bien ton œil ou non? J'ai fait un petit creux paupière. Parce que c'est important. On va estomper. Hein. Bon. Je sais pas du tout s'il y a de la couleur ou s'il n'y a rien, mais bon. On va faire comme ça. On fait un eyeliner, non. On sera prêt pour l'aller. Il est énorme, en fait. On va peut-être éviter. Alors, oh, ça j'ai peur. Ça va. J'essaie de me plier à mon doigt, mais c'est pas. Écoute. Je crois que tu vas en avoir autant sur les doigts. On va peut-être éviter le rat de cils, hein, parce que j'ai peur de te mettre la brosse dans les yeux. Déjà ainsi.
J'ai pas mis. Pourquoi j'avais en avoir l'idée. Ça me chez Primark. C'est un mat. Parce que j'avais les Vanix, mais je sais pas où je les ai mis. Attention. C'est que j'essaie de m'impliquer, mais je sais que ça va pas être appliqué. Attends, je vais toucher de ce côté pour aller jusque dans le fond. Oh là là. Je sais pas si on a assez. C'est bon. Enfin, c'est bon. J'ai rien oublié là normalement. Ah, je pense que non. Je crois que tout était bien. C'est bon. Ouais. Allez, verdict. En fait. Bah oui. Et le pire, je pensais que la bouche allait quand même. En fait, tout le fard à paupières, je l'ai mis là. Comment est-ce que j'ai. Une partie au-dessus, une partie en dessous. Et bah c'est dingue ça. Ça allait quand même. Le mascara ça a été plus ou moins. Ouais. Y'a que ça. Tu as mis de l'highlighter à la place du bronzer. Du blush à la place du bronzer à la place du blush. Je me suis dit en plus en le prenant que ça allait être chaud ça. Bon bah. Désolée. C'est très beau make-up. Pas et j'en reviens pas de ce que j'ai fait là. T'as vraiment l'impression que tu fais bien en fait, non? je me vois de loin, hein, mais je me vois pas. C'est après, je me suis pas envoyée en fait. Ah ouais, c'est vrai que. C'est pas mal. C'est une nouvelle technique de maquillage. Ouais. Ben, on va clôturer cette partie-ci et on va se retrouver tout de suite sur la chaîne de Anna Dream Beauty. Je vais y arriver, j'arrive jamais à le dire. Et ben, dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez du maquillage. Je pense que. Il est plutôt raté, hein. On va voir si tu vas faire mieux que moi. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est pas top du tout, hein, je pense. Je vais peut-être te rapprocher un peu, comme ça on voit un peu l'étendue du carnage. Mais franchement, c'est chouette à faire, mais c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'étais bien. L'œil, je me doutais pas. J'étais persuadée que j'étais dans ton creux et rien à voir. Donc, je vais vous lister en barre d'infos sa chaîne avec la vidéo aussi. Comme ça, vous pouvez aller voir les deux vidéos. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Mettez un petit pouce. Et abonnez-vous à nos deux chaînes. Hein, si vous ne nous connaissez pas, si vous tombez par hasard sur notre chaîne, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et on vous retrouve tout de suite sur la chaîne d'Anna Dream Beauty. Salut. Pour moi, on passe à ceci. Déjà, les coffrets, je trouve ça absolument magnifique. Si vous avez un cadeau à faire, franchement, c'est du plus bel effet avec ça. Donc celui-ci, je l'avais pas vu. Je l'ai vu en rayon, il était déposé tout seul et je me suis dit allez hop.